Hello, hello! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Désolée pour ma manucure, elle est dégueulasse. merci, merci, merci pour tous les coloriages sur le thème le monde des cauchemars. Franchement, merci. Voilà, vous avez vu tous les colos qui sont passés. J'ai eu des petites merveilles. Je crois que le thème vous a vraiment bien inspiré en cette saison automnale. Et voilà, franchement, c'était top de voir toutes vos, voilà, toutes vos petites merveilles et surtout les petites explications parfois. Voilà, les personnes voilà, m'ont envoyé des mails en m'expliquant un petit peu pourquoi elles avaient choisi ce coloriage-là par rapport à X ou Y raison. Et merci d'avoir partagé ça avec moi. Voilà, je sais que c'est pas toujours évident, ça peut parfois être des sujets assez sensibles. Je vous remercie vraiment, merci, merci du fond du cœur. Et on va bien évidemment passer au prochain colo à thème. Je sais que vous attendez généralement ça avec impatience. J'adore filmer aussi ces vidéos, donc. Donc, Maggie et moi-même, donc les colos de Maggie et moi-même, continuons notre petite collaboration pour les colos à thème. Voilà, franchement, c'est trop sympa de faire ça à deux, même si c'est pas toujours évident, je vous avoue, de trouver des thèmes combinés. Et là, j'aime beaucoup ce que nous allons vous proposer pour les mois de novembre-décembre. Donc là, on part sur les deux derniers mois de l'année. Donc, on est quand même sur encore une majorité de saison automnale, puisque l'hiver ne commence que à partir des trois, enfin des deux tiers de décembre. Donc, j'avais envie de proposer quelque chose de toujours automnal. On s'en va, voilà, de l'horreur, et on va partir dans un autre cadre, mais qui est toujours de saison, puisque je sais que vous êtes beaucoup à aimer les coloriages de saison, à aimer colorier de l'automne en automne. Donc, je préfère faire plaisir, voilà, et que ça soit de saison. Donc, le prochain coloriage à thème, qui sera le colo à thème numéro 6, si je ne dis pas de bêtises, déjà. Eh bien oui, en fait, ça fait quasiment un an déjà que j'ai lancé mon colo à thème. C'était, je m'en souviens, en décembre. C'était en décembre 2021, donc c'est assez incroyable. On arrive, voilà, on arrive bientôt au 1 an du colo à thème. Bref, j'arrête le suspense. Le nouveau coloriage à thème est Promenons-nous dans les bois. Trois petits points. Pourquoi trois petits points? Parce que la suite, vous la trouverez sur la chaîne Les Colos de Maggie, même si je pense que vous vous doutez un petit peu de la suite si vous connaissez la comptine pour enfants. Donc, chez moi, ce sera Promenons-nous dans les bois. Ben, je pense que vous avez compris. Tout simplement, je vais vous demander un coloriage qui représente, un coloriage qui transpire les bois, la forêt, voilà, tout ce qui est, tout ce que l'on peut trouver dans les bois et la forêt, puisque moi, c'est un milieu que j'aime énormément. Voilà, voilà, c'est un cadre qui me fait me sentir bien. J'aime la nature, donc. Les bois, voilà, c'est quelque chose que j'adore. Donc, bah, ça va être assez simple en fin de compte. Hein. Il n'y a pas vraiment de 58 sous-catégories comme avec le colo à thème des cauchemars, où là, il y avait quand même beaucoup de possibilités. Là, ça va être assez, voilà, assez simple. C'est la forêt, les bois, tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur et tout ce qui représente aussi cet univers. Donc, j'ai pris ce livre puisque pour moi, il représente exactement ce que j'ai envie de retrouver dans vos coloriages, puisque là, c'est, nous sommes dans les contes de la forêt. Nana Carlson. Donc, je vais vous demander un coloriage. Voilà, ça peut être un arbre. Bon, il faut quand même qu'il soit assez imposant. Je veux dire, si vous ne faites qu'un arbre, ça représente bien sûr la forêt. Bon, normalement, il y en a plusieurs, mais il faut que l'arbre, il fasse la majorité du colo. Ne me faites pas un tout petit arbre dans le fin fond d'un colo en me disant que, voilà, que c'est un coloriage de la forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que l'arbre, il soit quand même assez important. Là, nous avons une forêt de sapins, donc ça correspond. En fait, je pense quasiment que tous ces coloriages, tout ce livre rentre dans le thème. Un hibou, c'est un animal que l'on trouve dans la forêt. Une biche ou un faon ou un cerf, enfin, peu importe, un chevreuil. Ça représente la forêt. Voilà, tous les animaux, en fait. Voilà. Par exemple, ça c'est vraiment nickel. Ça représente les animaux de la forêt dans des arbres en plus. Donc, franchement, ce livre, après, voilà, il faut que ce soit quand même relativement forêt. Hein. Là, par exemple, vous voyez, c'est très. J'ai mis de la peinture. On a vraiment les glands, les pommes de pin et tout, c'est vraiment la forêt, quoi. Donc ça peut être soit un paysage de forêt, soit tout ce que l'on peut trouver. Voilà, par exemple, cette femme, vous voyez, elle représente quand même vachement la forêt.
On dirait un peu une nymphe des bois, donc c'est voilà. C'est vraiment très bois, forêt. Je vais me répéter 50 fois. J'ai pris un peu de plusieurs illustrateurs. Hein. Dans le Luna, bah dans le Luna, en fait, en soi, voilà, un écureuil, des fruits, on est dans la forêt typiquement, quoi. C'est pas difficile de trouver un coloriage dans un Maria Troll. Bon, là, par exemple, vous voyez, c'est pas tellement. Enfin, je veux dire, il y a des arbres, mais on est sur des fleurs de cerisier, c'est pas tellement la forêt, vous voyez. Il faut essayer de vraiment de trouver quelque chose qui, voilà, qui fasse promenons-nous dans les bois. En fait, quand vous entendez ce titre, promenons-nous dans les bois, qu'est-ce que ça vous inspire, tout simplement? Les petites bêtes de Rita Bergman, bien sûr, toute la section automne notamment. Voilà, ouais, par exemple, ça c'est parfait, ça représente vraiment les sous-bois. Ça peut être les sous-bois aussi, vraiment les tout petits animaux des bois, donc les escargots, les chenilles, enfin ça peut vraiment être voilà, le sous-bois quoi. Voilà, par exemple, ça c'est nickel aussi, voilà, des animaux des bois en fait. Donc vraiment, lâchez-vous sur la partie été. Si vous avez envie, par exemple, de faire un paysage de forêt enneigée, vous pouvez très bien aussi. Ça, voilà, ça peut être vraiment magnifique. On a du Anacarza, du Anacarzone. Oui, on a du Anacarzone, Maria Troll, du Rita Bergman que j'ai présenté. Carolina aussi, bien sûr. Voilà, par exemple, une femme avec des bois de serre et une chouette. Un hibou, une chouette. Ça, des champignons, enfin voilà, des feuilles. Ça peut très bien représenter les bois aussi. Pas forcément des arbres, hein. Bon, bien sûr, les arbres, c'est la forêt. Mais vous voyez, par exemple, ça représente aussi. Bon, vous avez des petits arbres dans le fond. Un renard. Un renard, ça représente la forêt. Bon, là, c'est un renard licorne, mais voilà, vous pouvez être libre. Voilà, je sais pas, enfin vraiment, bon, là, par exemple, vous voyez, c'est pas trop la forêt. Voilà, pour essayer de faire un peu une comparaison. Là, vous voyez, par exemple, ce coloriage-ci qui a été mis en couleur par Sylvie, par Miss Pondy, magnifique, dans ces derniers lives. Ben voilà, par exemple, ça, c'est très très forêt. On a plein d'animaux de la forêt, donc c'est voilà. Il faut que ça respire les bois, les arbres, la sève. Et enfin, j'ai pris un Disney pour quand même montrer un Disney. Là, je pense qu'on n'a pas mieux que forêt féerique. Bien sûr, ça peut être une forêt magique, hein, tout à fait aussi. On a une magnifique forêt avec des nymphes dans Kirby Roseanne. J'ai pas pensé à vous le montrer. Voilà, tout ce qui est Pocahontas, c'est dans la forêt. Voilà, par exemple, Rox et Rookie, ils sont dans la forêt. Enfin, voilà, vous voyez, du moment que, je vais le répéter, ça représente la forêt et que. Voilà, on reconnaît le thème en fin de compte, tout simplement. Voilà, je veux voir des arbres, je veux voir des animaux de la forêt, je veux voir des paysages automnaux ou hivernaux, mais forêt. Voilà, des personnages que l'on peut retrouver, donc fantastiques, donc des nymphes, des. Comment on appelle ça avec la flûte là. J'ai oublié le nom, je vous l'écrirai sur l'écran si je retrouve. Des faunes, je crois que ça s'appelle des faunes, je ne sais plus. Donc ça peut très bien être une forêt très classique hein, que l'on va trouver dans nos contrées, comme ça peut très bien être une forêt magique, voilà, avec des créatures. Voilà, il faut que ça représente la forêt, tout simplement. Donc, promenons-nous dans les bois, tous ensemble, en novembre et en décembre. Et si vous voulez avoir la suite, pour faire également le colo-thème de Maggie, eh bien, je vous invite à aller sur la chaîne Les Colos Maggie. Vous allez voir, son thème est super sympa. Voilà, je vais me faire un plaisir de chercher un coloriage pour ces thèmes. Et bien voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir participé et de participer depuis presque un an, enfin finalement, hein. Il y en a qui ont participé depuis le début et qui tous les 2 mois m'ont fait un colo. Donc, franchement, merci, merci, merci. Merci à toutes les personnes qui participent et qui continuent de participer, à toutes les personnes qui viennent de commencer à participer aussi. J'ai des personnes qui ont participé pour la première fois là au colo à thème Cauchemar. Donc, merci vraiment de votre soutien et n'hésitez pas à combiner également mon colo à thème avec d'autres challenge, vous n'êtes pas obligé de faire mon coloriage juste pour mon colo à thème, hein. Vous pouvez très bien le combiner avec d'autres challenges en cours, avec d'autres colo à thème en cours, avec mon challenge on entame un max de livres en 60 jours, pourquoi pas entamer un nouveau livre avec un colo de la forêt par exemple, si celui-ci vous ne l'aviez pas entamé, enfin un de ceux-là ou un livre que vous possédez avec un coloriage dedans qui colle dans le thème promenons dans les bois, et eh bien vous feriez voilà d'une pierre 2 coups en entamant un nouveau livre. Donc vraiment voilà, soyez. Ne vous sentez pas voilà, obligé de faire un colo juste pour moi, ça peut être vraiment combiné, hein, je le répète, je ne suis pas compliquée, du moment que ça respecte le thème, voilà, ça sera super et je vous remercie d'avance. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez colorier, ou voilà, ou si.
peut-être ça vous inspire tout simplement pas et que vous n'avez pas envie de participer, vous pouvez me le dire aussi, il n'y a pas de souci. Donc, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Oh, j'ai oublié. Non, je ne fais pas des gros bisous tout de suite. Donc, bien évidemment, pour les modalités, je vais les répéter, mais parce qu'en fait, je les dis tellement à chaque fois que pour moi, ça paraît évident. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui, voilà, qui viennent de me découvrir, de commencer à me suivre, voilà, ils viennent de s'abonner, etc. Donc, vous ne savez peut-être pas les modalités. Mais de toute façon, je pense que je vous les aurai écrits sur l'écran pendant la vidéo. Donc, vous avez 2 mois, donc jusqu'au 31 décembre inclus, hein, jusqu'à la fin de l'année pour réaliser un ou plusieurs, je répète, un ou plusieurs. Vous n'êtes pas obligé d'en faire qu'un. Si vous avez envie de faire plusieurs coloriages, envoyez-les-moi. Il y a des personnes pour le thème cauchemar qui m'en ont fait 4. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en faire qu'un seul. Si vous avez envie de, voilà, s'il y a plusieurs colos que vous avez prévus et oh bah tiens, ils rentrent dans le thème de Maeva, bah, franchement, envoyez-les-moi. Si vous en faites 2, 3, voilà, franchement, c'est avec grand plaisir. Au contraire, c'est génial, quoi. Donc, jusqu'au 31 décembre, inclus un ou plusieurs coloriages sur le thème Promenons-nous dans les bois. Il faut m'envoyer votre colo. Si possible, signez-le, s'il vous plaît, parce qu'il y a plein de personnes qui m'envoient les colos pas signés. Je vais pas à chaque fois marquer votre nom, vous voyez. Je les prends et je les mets dans le montage, mais c'est dommage que les personnes ne sachent pas qui les a fait. Ça pourrait peut-être permettre, voilà, je sais pas, les gens disent, oh tiens, il est chouette ce colo. Oh tiens, c'est telle personne qui l'a fait. Bah, allez voir votre Insta, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste pour qu'on sache que c'est vous quand même, c'est un minimum. Je trouve que c'est. Voilà, je sais pas. Moi, je préfère savoir qui a fait le colo. Après, voilà, c'est votre choix. Si vous n'avez pas envie d'apparaître, ça aussi, c'est votre choix aussi. Mais n'oubliez pas de signer vos colos si vous souhaitez que votre nom apparaisse. De me l'envoyer à l'adresse mail qui est sur l'écran. Et je ne sais pas si j'ai tout dit. Voilà, je crois que c'est tout. Il me semble qu'il y a le chien qui se met à aboyer à ce moment-là. Je pense que c'est tout. Je n'ai rien oublié. Au pire, je vous l'écrirai sur l'écran si j'ai oublié quelque chose. Oui, le hashtag colorisera colotème, comme toujours sur Insta. Et envoyez-moi votre colo ou vos colos par mail. Et allez voir chez Maggie pour la suite du thème. Après les 3 petits points, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je vous remercie 1000 fois. Je vous dis à bientôt cette fois-ci. Je vous fais vraiment des gros bisous. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!